Thunder d'origine, Raptor modifié. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Faut que tu la modifies, là. Salut à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur deux sujets. Sur la pluie. Sur le temps de merde. Là, je viens de me reprendre une bonne petite saucée en Raptor. Hein. Je suis trempé, je suis refait. Donc, vous êtes nombreux à me demander l'application que j'utilise. Donc, bah, je vais vous montrer l'application que j'utilise au quotidien. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'éviter la pluie. Hein. Donc, voilà, il y aura deux sujets, la pluie, l'application que j'utilise et sur les Raptor 2 et les Spiders. Parce que vous êtes nombreux sur le groupe Facebook à me demander comment remédier au jeu qu'il y a dans la colonne, parce qu'elles sont allégées, hein, les Raptor 2 et les Spider. Et malheureusement, Mini Motors a réduit la quantité de matière sur les colonnes, et donc il y a un souci de jeu dans les colonnes. Donc exclusivement, donc c'est pas le jeu qu'on connaît tous au niveau de cette bague là, c'est un jeu qu'il y a ici. On voit bien que la colonne, on a beau resserrer, la colonne bouge de gauche à droite ou d'avant en arrière. Donc là, je vais aller chez Julien de Fast Ride et on va vous faire une petite vidéo rapidos pour vous montrer comment remédier à ce problème-là. Je rappelle bien que c'est uniquement sur les Spider et les Raptor 2. Les Raptor 1 ne sont pas concernés. Les Raptor 1 faisaient 25-26 kg. Les Raptor 2 en font 22 kg. Donc elles ne sont pas concernées par ce problème de jeu dans la colonne. Et de châssis allégé et de colonnes allégées. Donc voilà, je me dépêche parce qu'il fait un temps de merde. C'est l'horreur. Je vous fais ça tout de suite. Alors le premier sujet, c'est l'application Rain Today. C'est l'application que j'utilise depuis peu pour m'informer des conditions météo, pour savoir si je vais avoir de la pluie sur le chemin ou pas. Donc c'est une application qui est disponible sous Android et sous Apple et je la trouve vraiment simple. Je ne vais pas trop vous expliquer comment elle fonctionne. Je vais vous laisser la découvrir. Donc, c'est assez simple. On peut sélectionner sa ville comme vous avez pu le voir. Ce qui est vraiment très, très intéressant, ce que j'utilise énormément, c'est la partie radar HD en bas à droite. Vous allez accéder à la carte de la France, de l'Europe avec la masse nuageuse. Et vous allez pouvoir voir en temps réel et même les prévisions sur les deux prochaines heures en bougeant le curseur en bas. Voir exactement l'évolution des nuages, vers où ils s'orientent et s'ils augmentent ou pas. Donc voilà, je la trouvais assez simple comme application et assez utile, assez rapide, pas trop complexe. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Maintenant, on va passer au deuxième sujet de la vidéo, donc à propos des colonnes, des Raptor 2 et des Spider. Donc je suis passé chez Fast Ride et avec Julien, on va vous faire une vidéo très très rapide pour vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Vous allez voir, il n'y a pas 36 000 solutions malheureusement pour remédier à ce souci. Mais après, au moins, le problème est totalement résolu et vous n'aurez plus aucun souci. Ouais, elle est tellement usée la colonne que même si tu serres à fond, de toute façon, il y a un jeu monstre.
Donc en fait, c'est l'usure qui est là, quoi. Elle est aplatie tellement c'est fin, quoi. Et sur cette... donc ça, c'est une Raptor. Et tu mets... Raptor 2, ouais. C'est une Raptor 2, donc c'est les mêmes colonnes que les Spider. Exactement, c'est le même châssis. Donc là, on va la remplacer. On va mettre directement une colonne de DT3. Thunder. Thunder, voilà. Là, tu vois. Il n'y a plus aucun jeu, quoi. C'est zéro jeu. C'est vraiment juste sur les colonnes de Spider et que ça fait ça, quoi. C'est ça. On voit... C'est hyper fin en fait. Ouais, sur la Spider, tu vois même les trous en fait. Tu les vois à travers comment c'est fin. Ah ouais. Normalement, tu as les vis qui traversent. Hein. Mmh. Ouais, exact. Tellement peu de matière. Alors j'espère que la vidéo vous a plu et surtout, on n'oublie pas les Electric Games à Montségur le 13 et 14 juin. C'est une super compétition, un super événement. Je vous invite tous à nous rejoindre en masse. Je vais mettre le lien de l'événement dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. Donc vous pouvez venir à partir de vendredi en fin d'après-midi. Mais c'est surtout le samedi et dimanche qui aura le plus d'activités. Allez, je vous dis ciao ciao à tous.